Yo, what's up la famille? Bien ou quoi? Moi, je vais bien, la patate. Aujourd'hui les frérots, petite vidéo un petit peu spéciale. Donc là, je vais vous faire une présentation de serveur. Pas n'importe quel serveur, mon serveur la famille. Ah, ça fait zizir. D'ailleurs, un gros big up à toute l'équipe parce qu'il faut savoir que je suis en alliance avec le frérot Tony94. Grosse force à toi mon frère. Merci à tout ce qui est Tony94, Isho, Nota, mon petit dragon, Yous, Picsou, toute la famille, mon petit dodo, papy. Grâce à vous, on a réussi à avoir un serveur. On a l'équipe du staff qui est sérieux. Le développeur, il est HAL. L'équipe tout entière est sérieuse. Ça fait plaisir. Donc, je vais vous faire voir juste 2-3 endroits. Parce que je vais pas vous faire une vidéo de 19 minutes. C'est vraiment juste une présentation pour que vous puissiez rejoindre. Dans la vidéo, il y aura les liens de tous les frérots. Surtout de mon frérot Tony Gamer. Parce qu'on est tous les deux fondateurs sur le Discord. Il y aura le lien du Discord pour rejoindre, faire les whitelists. Donc là, je suis dans le quartier des Bloods, les frères. Vous avez vu? On a fait pas mal de quartiers, on a fait tout ce qui est Bloods, Crips, les Bikers, un quartier Latinos, la Triade pour les Asiatiques. Après, on a mis des cartels. On a mis cartel Sinaloa, Tijuana, un autre cartel. Et après, on a mis des mafias, mafia russe, mafia italienne, mafia yakuza, donc japonaise. Là, ça va faire plaisir. Je vous ferai 2-3 endroits. Donc, faut savoir que la carte est vraiment complète, les frères. Regardez. Attendez, je suis un peu en galère. Regardez comment la carte, elle est belle déjà. Elle est vraiment complète. Il y a pas mal de quartiers. On va enlever tout ce qui est les petites images de quartier pour pas qu'on sache où que c'est. Il y a pas mal de métiers fonctionnels. Il y a tout ce qui est police, EMS, toutes les conneries comme ça. Les boutiques, braquage de maison. Tout ça fonctionne. Ça fait plaisir. Sérieusement, on a mis deux mécanos pour faire de la concurrence. Parce que dans un serveur, quand il n'y a que un mécano, il prend la confiance. Il se dit, ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de bosser, je me fais ma thune. Bah là, il y a deux mécanos, comme ça, il y a de la concurrence. Il y a pas mal de reventes et de trafic de drogue comme de faux billets. Il va y avoir beaucoup d'actions sur ce serveur, les frères. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis streamer. Je fais des lives presque tous les soirs, donc on va pouvoir ramener du monde. Je suis en alliance avec mon frérot TonyGamer94, qui lui aussi fait des lives tous les soirs. Ça va ramener du monde et qui joue bien RP. Je joue bien RP, il joue bien RP, on est bien. Donc pour rejoindre un gang, vous aurez le droit de rejoindre un gang à n'importe quel âge. Mais pour tenir un gang, c'est ce qu'on a prévu avec Tony, tenir un gang est un grand métier. Avoir minimum 17 ans ou limite être majeur. Parce que quand on met des petits narvalos dans des gros postes, ils font n'importe quoi. Parce que nous, on veut du RP. Là, je vous fais voir le quartier des Blues, les frères. Après, je vous fais voir le quartier de la Triade. Je vous fais voir, il y a une prison aussi. Et après, c'est bon, on va pouvoir bouger. Donc, ça, c'est le quartier des Blues. Voilà. Vous connaissez hein, les Blues. Le gang black, tout habillé en rouge. Ils ont carrément une tour pour eux, ça, c'est bien. Regardez. Blood Gang. Hop, il y a ça. Je vous fais voir en vitesse, mais je veux pas prendre une vidéo qui dure longtemps. Là-haut, il y a leurs appartements, il y a tout ce qui est leur garage, tout. C'est vraiment très bien fait. Cartel, pareil. Hein. Tous les cartels ont une maison ouverte. Toutes les mafias ont une maison ouverte avec votre coffre, votre garage, tout. Tout est fonctionnel, ça fait plaisir. Voilà. Là, il y a tous les apparts des Bloods. Il me semble que l'appart du chef ou une carrière comme ça, il doit être par là. Ah, nickel. Regardez, propre. Avec le Bloods là. Hop. On lui a fait un petit cité, hein, les frères. C'est les Bloods. Donc il faut pas non plus qu'ils aient une villa de luxe quoi. Donc je vais pas pouvoir vous faire voir tous les mappings qu'il y a parce qu'il y a énormément de mappings exclusifs. Je vais vous faire voir juste moi les 3-4 mappings que j'ai kiffé. Si la vidéo ne peut durer que 5 minutes, ce serait cool parce que si je vous fais une vidéo de 10 minutes, vous allez pas vouloir la regarder et vouloir venir. Le serveur ouvre mercredi les frères. Mercredi c'est bon, le serveur il ouvre, il est carré, il est optimisé, il est réglé. On est yarm les frères. Regardez. Donc comme je vous ai fait voir, Bloods Gang. Si, si, si. Là, je vous fais voir vite fait. C'est où, c'est où, c'est où? La Triade. Parce que la Triade, c'est les Chinois et c'est un gang. Je vous fais voir le palais. Moi, je l'avais jamais vu. Je l'avais vu que. Je l'avais vu que sur des streams. Je l'avais jamais vu en vrai le palais. Attendez, je vais vous faire voir ça. Je vais mettre en mode no clip, ce sera peut-être plus facile. Hop, no clip. Bing boom. Il est où le palais? Ah bordel. Bon bah il y a tout ce qui est un palais pour les Chinois mais... Ah il est là! Regardez comment c'est bigos les frères. Quartier chinois, la triade. On a mis pas mal d'ethnies. On a mis tout ce qui est Latinos, tout ce qui est Black. Parce qu'il faut savoir qu'aux States, vu que nous c'est un serveur States, il y a beaucoup de rivalité entre eux deux. On a mis les Asiatiques, parce que aussi ils sont dans les States. On a mis les Blancs. Donc du coup on a deux quartiers noirs, un quartier Latinos, un quartier Asiatique et un quartier Blanc. Après, en mon cartel, c'est beaucoup de cartels mexicains. Et en mafia, on a mis mafia russe, mafia corse, mafia yakuza, donc japonaise. Regardez, même la triade, ils vont avoir leur quartier à eux, les frères. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, ça.
C'est trop beau, c'est trop beau. C'est la première fois que je vois ça en vrai. Donc je vous ai fait voir les Bloods, je vous ai fait voir la triade. Sachez que si vous voulez venir, le serveur sera whitelist, les frères. Le serveur sera whitelist parce que quand on met du free access, t'as pas mal de monde qui viennent et qui foutent le sbeul. Du coup, on préfère se mettre en whitelist et vraiment faire une intégration de tout le monde au fur et à mesure. J'ai une bonne équipe de fait, les frères. J'ai tout ce qui est les développeurs, enfin le développeur, tout ce qui est les administrateurs, modérateurs. Je suis pas tout seul en fondateur, je suis avec Tony94, donc on est deux à prendre des décisions. Je sais que c'est un gars bien, qu'il a la tête sur les épaules, donc ça fait plaisir. Il y a tout ce qui est les helpers. On a créé une petite boutique en ligne sur internet pour pouvoir soutenir le serveur avec vos donations. On va acheter des meilleurs hébergeurs, des nouveaux mappings, si, ça, histoire de faire tourner le serveur et que nous, on sorte pas d'argent de notre poche. Comme ça, on est tranquille. Parce qu'il y a des hébergeurs, c'est quand même 100 balles le mois et tout. Donc on va se servir de la boutique. La boutique qui est déjà faite, active en ligne, tenue par nos tags. Gros big up à lui. Il y a le Discord, il est fait, il est rempli. Sérieusement, on est bien. Là, je vous ai fait vite fait la triade. Je vais vous faire un truc que j'ai kiffé, les frères. Ça, on le voit chez des autres serveurs, mais moi, je l'avais jamais vu. Déjà, la triade là, ça, j'avais jamais vu. Et regardez ça. On a mis carrément une prison. Normalement, si je me trompe pas, elle est là. Ouais, prison fédérale. Une prison dans la ville. Comme ça, tu fous le sbeul. Et bah, tu vas un petit peu en prison. Et ça va te calmer. Ah, bah, là, je suis direct dans la cour. L'entrée, elle est où, les frères? Attendez, je vais vous faire voir. Je crois que l'entrée, elle est de l'autre côté. L'entrée est là. Quand tu foutras le sbeul, tu iras un petit peu en jail, comme on dit en Amérique. Et ça ira te calmer, les frères. Ils ont géré. Et sérieusement, l'équipe là avec qui je travaille, ils ont trop géré. Tony qui a voulu faire une alliance, il a grave géré. J'ai déjà foiré une alliance. J'avais refusé avec mon pote Don Pablo. Gros big up à lui. Le lendemain, ils étaient 70 sur le serveur. Je m'en suis voulu. Là, j'ai pas foiré l'alliance avec mon petit Tony. On va déchirer le serveur. Enfin, on va avoir un serveur à nous où on va pouvoir faire que du RP. Moi, je vais pouvoir ramener des collègues et tout. Donc voilà la prison, les frères. Je vais vous faire voir jusqu'en rentre. Donc hop, vous rentrez. Bah, je vais enlever le noclip. Non, je peux pas enlever. Ah, bordel, bah, je suis dead. Je suis dead. Faut que je fasse un heal, je crois. Merde. Oh, bordel. Oh, bordel, bah, en pleine vidéo. Mais quelle tête de cul que je suis. Je sais même pas c'est quoi mon idée. Ah, mais quelle burne. Le mec, il fait une vidéo pour faire une présentation de serveur, il crève en... Ouais, j'espère qu'il y en a un qui peut me revive. Je sais même pas s'ils veulent voir mon message. Vous pouvez me revive, je suis en vidéo. Putain, merde, mais quelle tête de burne je suis. TWT, normalement c'est un tweet, ouais. Merci. Ah, nickel, ça a fonctionné, les frères. Ça a fonctionné. Ouf, j'espère qu'ils vont me revive. En espérant. Et après, je vais aller. Ah, mais merde, si je revive, on a fait un système que quand tu revive, tu vas direct. À l'hôpital. Merde, j'espère qu'ils vont pas mettre à l'hôpital. Moi, je voulais juste voir la prison. Je vous redis, il y a plein de métiers, tout ce qui est Uber, mécano, agent immobilier, avocat, gouverneur, il y a plein de trucs à prendre. Il faut savoir que le serveur ouvre mercredi là, les frères. Quand vous verrez la vidéo, on sera lundi. Mais mercredi, le serveur ouvre. Mercredi, tonton Bruti, il arrive direct dessus pour faire du RP parce que moi, je vais être cartel de Sinaloa. Et devoir aller parler comme ça, amigos. L'accent espagnol, latino, c'est mon délire. Et puis, on va aller voir pour se faire de l'argent, faire des petites scènes, il va y en avoir plein. Ah, je vous l'avais dit, Je vous l'avais dit, j'allais être à l'hôpital. Bordel. J'essaye de vous faire voir la petite truc en 2-2 là. Hop, la petite prison en 2-2, les frères. Voilà, quand tu rentres dedans, en fait, tu passes par là. Tu rentres par là. Tu passes sous le petit portique là, ce qui est normal. Tu rentres là. Et hop, après. Tu vas te changer. T'as la prison qui est là. Vous allez peut-être y aller 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ça va pas vous faire de mal. Il y aura des gardes à vue, mais il y aura beaucoup plus de jail comme ça, vu qu'on est aux States. Souvent, tu vas direct en jail et puis basta. Même si c'est 1 heure ou 2, ça va vous faire du bien. Il y a même un mec dans la cour qui vous vend des poignards. Attends, il est où? Je crois qu'il est positionné là-bas. Il vous vend des poignards, des pieds de biche et tout pour que tu essayes de t'évader. Pour les braquages, il faut acheter du C4 et une carte piratable pour pirater un ordinateur.
Les braquages, c'est pas juste tu vas avec ton flingue dans les banques et tu reprends le pognon. Non, non, faut déjà que tu aies une équipe, faut que tu puisses faire le piratage et tout, et après ça le fait. Voilà les frères. Merde, le bonhomme il est là, c'est lui qui vous vend tous les trucs en tôle. Donc venez pas le faire chier. Il y a un ring de boxe. Magnifique les frères, ring de boxe. Là, je vous ai fait une petite présentation en 2-2, mais je vais vous faire une belle vidéo mercredi ou jeudi avec tout ce qu'il y a sur le serveur. Tiens, une belle vidéo bien travaillée les frères. Là, c'est vraiment juste une petite présentation en 2-4. Je vous dis que le serveur est lourd via le lien en description et tout. Mais je vous ferai une très 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 belle vidéo avec tous les trucs détaillés, une vue dans tous les cartels, une vue dans tout. Ah, j'ai mon noclip qui bug. Ouais, j'ai mon menu F5 qui a un petit délire. Ça doit être le temps d'un reboot ou quoi. Comment je fais pour enlever le noclip? Voilà. Ah merde. Bah je sais pas. Je suis bloqué parce que je voulais vous faire voir ça, les frères. Là, quand tu vas en prison. Ah ouais, j'ai un petit problème là. Quand tu vas en prison. Ah ouais, mon noclip il a grave bugué, les frères. Bon bah je vais y arrêter là. Parce que là je suis en train de faire de la merde. Quand tu vas en prison, tu rentres par là et t'as un petit cinématique qui fait voir que t'enlèves tes vêtements, que tu les donnes à un gardien et tout. Il y a plein de petits cinématiques qui sont faits, ils sont vraiment très beaux. Ça fait plaisir. Je remercie encore toute l'équipe. TonyGamer94, t'as un bon mon ref. Gros merci à toi, on a bien fait de se mettre ensemble, on m'a envoyé du pâté. Merci à mon petit Echo qui est développeur. Merci à Tyson, Dodo, Papy, Dragon, mon petit Notag, mon petit Jean Lovos, mon petit Days, Pixou. J'en oublie encore un. Yous, il y a plein de petits potos comme ça qui sont avec nous, qui sont en train de nous aider. J'espère que Salim Rabus va venir. Mon petit Tyron James, toutes les conneries comme ça. On va passer du bon temps, que du RP, les frères. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et rejoignez à Max. Bonjour, bonjour les frères. Pas de coupage, pas de montage. C'est parce que je suis un dingue.